Monsieur Ibrahim Mokhtar Sarr, président de la JDMR, vient de déposer sa candidature dans les locaux du Conseil constitutionnel. Donc la première question qui vient à l'esprit, qu'est-ce que cela vous fait, monsieur Ibrahim Mokhtar Sarr? Bien, je viens rééditer ma demande au peuple mauritanien pour me donner, n'est-ce pas, la possibilité de diriger la Mauritanie afin d'appliquer le programme que j'ai toujours souhaité pour lui. Un programme d'abord de réconciliation nationale, un programme de développement sur tous les plans, un programme, n'est-ce pas, d'une Mauritanie qui sera en tout cas un point de rayonnement, n'est-ce pas, dans toute l'Afrique, dans le monde arabe et dans le monde. Vous ferez mieux qu'en 2007 parti... je le souhaite. Je crois que le parti a fait beaucoup de progrès et notre message est de plus en plus, n'est-ce pas, compris par l'ensemble du peuple mauritanien. Quel message avez-vous à transmettre aux électeurs le 6 juin? Aux électeurs, je leur demande d'abord d'aller voter. C'est leur droit le plus absolu. Ils n'ont qu'à aller voter, exprimer leur choix. Et je souhaite naturellement que ce soit un choix porté, n'est-ce pas, sur ma personne, en l'occurrence sur aussi mon parti, l'Alliance pour la démocratie et la justice, mouvement pour la rénovation. Merci beaucoup, monsieur le président.